carrément oublié nos droits. La France, malheureusement, ne fait pas ce qu'elle devrait faire pour les anciens combattants africains. Les pensions sont ridicules. Pendant un moment, on a même supprimé les pensions. Ça devait être sous Giscard d'Estaing, sauf erreur. C'est le Mali et le Sénégal qui se sont battus pour qu'on remette en route les pensions. Mais les pensions qu'on touche ici n'ont rien à voir avec ce que les anciens combattants français touchent. J'en suis révolté. En étant en Afrique, en étant avec les anciens combattants, je prouve mon attachement à ce que l'on appelle nos frères d'armes. L'armée, que le soit blanc ou noir, quand on est militaire, on est militaire. Ils sont tombés pour que la France reste debout. Leur fierté d'anciens combattants fait place à la désillusion devant les promesses non tenues par la France. Il y a leur mort, puisque on a même fait la guerre qui ça ne regarde pas. Et en plus, et la guerre même, ça ne nous a rien rapporté. C'est ça que une guerre inutile, en voyant.